Wesh, la famille, c'est la prod, toute cramée. J'étais avec le frère Roro, à l'instant là. Et Roro, vas-y, reviens. Moi, c'est Jojo. Et Roro, il me fait, frérot, comment ça va, et Jojo? Je fais, ça va, ma couillasse, Roro, t'es en forme, ma couille. Et Lascar, il me fait, oh, Jojo. Il me fait, oh, Roro, Jojo, Roro. Et je fais, qu'est-ce qu'il y a? Et Lascar, il me fait, tu sais quoi? Je vais mettre au home. Je fais quoi? Tu vas te mettre à l'EMS? Il me fait, non, je vais faire du home jacking. Je fais, ah, tu vas m'acheter un fusil à pompe. Il fait, ah, un fusil à pompe. Ouais, faut que je voie. J'ai rendez-vous avec Alphonse. Je fais, c'est qui Alphonse? Il fait, Alphonse, c'est ce qu'ils font sur les marches tout droit comme ça. Alphonse, ah, je connais pas. C'est un skignol. Il fait, voilà, skignol nord. Je fais, ah, ok. Et je lui fais, ah, mais tu connais un peu, Ron Jacking, tu vas faire comment? Tu vas entrer chez les gens, tu braques, tu voilà. Tu prends le PDB, tu braques la porte, ou tu entres par la fenêtre, et après, tu fais comment? Tu es armé, mon frère? Il fait, justement, j'ai rendez-vous avec Alphonse, il m'a dit, ouais, j'ai une vieille catapulte, l'époque de mes 14 ans. Ouais, tu peux lancer des trucs costauds, il m'a dit, tu mets des petits cailloux, comme ça, tu fais, ouais. Je veux la télé, le DVD, ça passe crème. Bon, c'est parce qu'il me le refourgue pas cher, il m'a dit. Il m'a dit, il me le fait 15 francs, parce que c'est un truc qu'il avait quand il était ado. J'ai fait, mais t'es dingue, tu veux faire du home jacking avec. Comme ça? Mais t'es dingue, tu crois que tu vas mettre la pression? Il me fait, ouais, mais en plus, je vais ramener Rififi. J'ai fait, ah, le neveu à Martine, là, le psycho, là. Il fait, non, non, Rififi Felou. Je fais, mais Rififelot, c'est qui? Il fait, c'est le petit chien, il fait. Je fais, mais il est pas très agressif. Il est un peu teigneux, comme ça. J'ai fait, ça va pas trop mettre la pression, en plus avec ta catapulte, avec deux, trois petites pirailles. Il fait, hey, mon Lascar, c'est ça du home jacking. Il faut s'occuper, s'organiser. Il faut faire ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il peut. Mais je fais, mais sauf qu'il peut, mon ami. J'espère avec ta catapulte, tu mets au moins du costaud, des bons caillasses, bons cailloux, la pirail. Et il me fait, non, non, non. Je mets des petits cailloux comme ça va plus vite. Pio, pio, c'est aérodynamique. Si vraiment, ça fait. Et là, j'entends Rififelot, le petit chien, il fait. Je fais, mais t'as prévu de faire un home jacking? Et t'es pas très loin de chez moi, t'as pas prévu de commencer à t'entraîner chez moi. Tu peux, si tu veux, on peut faire un test. Comme ça, tu viens chez moi avec ta catapulte. Tu prends Rififelot, tu le lances comme ça en rue, tu fais. Et je lui fais, mais t'es un dingue. Ouais, on peut essayer. Vas-y, on fait une simule. Il fait, non, non, j'ai prévu un coup dans 2-3 heures. J'ai repéré. Ouais, il y a un gratte-ciel et il me fait au 97e étage. Il y a un truc de dingue. Et je lui fais, pour commencer, tu veux pas te lancer, je sais pas, plus. Je sais pas, tu fais une maisonnette comme ça, une vilounette, tu jettes une, je sais pas, une caillasse dans la vitre, tu mets du scotch, tu casses mon frère, et tu entres, tu prends, je sais pas, un brûlé, mon frère. Et là, il me fait, non, je prends la catapulte, Rififelot, c'est au 97e étage. Et il me fait, en plus, j'ai regardé sur Google. Je fais, ah, t'as regardé home jacking, des techniques de professionnels à la catapulte, et aussi à. Hein, au chien, c'est un caniche. Rififelot, c'est un petit chien. Il fait. C'est Rififelot. Avec une catapulte. Bon, ça va, c'est un bon élastique, c'est costaud. Hein, Lascar, tu mets la pression un peu quand même. Hein. Pas 10 personnes, faudrait faire des ricochets, mon frère. Mais là, je lui fais un. Hein. Bah ouais, d'ailleurs, il y a des bonnes vidéos de youtubeurs sur les home jacking, hein, la petite catapulte de quand t'avais été 14 ans et avec un. Caniche, bah, t'aurais pris un pitbull, un brelique, même un grenaille. Je te donne des chances. Il me fait, mais prie pour moi, mon Lascar. Dis-moi, merde, donne-moi la chance. J'ai regardé sur Google. Normalement, dans 2 heures, il y a de la neige. Et je lui fais quoi? T'as prévu d'y aller en ski? Il me fait, mais non, j'ai pas y aller en ski. S'il y a de la neige, t'es con, mon Lascar. Tu peux faire une boule de neige? Je lance en 97e étage. Ça casse la vitre. Après, je grimpe, j'ai une corde. Bon, faut que je lance juste. Je fais, mais justement, déjà, tu vas viser juste la fenêtre, juste, on est dans le 7e étage. Ils ont quoi à choper? Il me fait, ah ouais, je crois, ils ont des trèfles à 4 feuilles. Je fais, mais t'es un dingue, tu vas aller au 97e étage. Tu jettes des boules de neige comme ça. Mais t'es un dingue, mon Lascar. Il fait, ouais, bah ouais, il faut ce qu'il faut pour faire un home jacking. Je fais, mais vas-y, prends-toi une vilounette.
tu prends un pitbull, tu prends un shotgun. Et bon, t'as un risque sur 4 de te ramasser une balle. Peut-être qu'ils ont une arme comme ça, de service chez eux. Attention, mon lascar, hein. Si ça arrive à la catapulte avec le petit caniche. Quand même, mon frère, fais attention, le hijacking, c'est dangereux. Il me fait un 7e étage, c'est dangereux. Tu vois, j'ai raté ça. Je faisais du basket avant. Je tirais deux fois des paniers, 3 points. Une fois, j'ai fait le soleil en entier. Bon, ouais, le soleil n'était pas encore tombé. En entier. On a commencé la matinée. Je fais, ah, t'es un bon, t'as fait quelques 3 points, quoi. Une fois, j'en ai fait deux une fois dans ma vie. Deux une fois dans ta vie. Ouais, deux. Ouais, une fois, j'en ai fait deux et deux fois une. Ouais, t'as fait des 3 points, quoi. T'es un bon, toi. Mais dans le 7e étage, c'est pas un 3 points, mon frère. C'est un c'est plus, c'est un peu plus en basket. Bon, ça va, les paniers. Ils sont grands, les basketteurs. Et je fais, ouais, ça va. T'es pas. Bon, tu fais pas 4 m 20. Voilà, faudrait faire 50, 20 mètres, un bon 20 mètres de plus, mon frère. Tu jettes, t'as plus de précision. Il me fait, non, non, c'était même ça, j'ai entraîné. Bon, dis-moi, merde, faut qu'il neige. Mais je fais, sinon tu prends un caillou. Il me fait, ah, un caillou. Ah, ouais, bah ouais, j'ai les petits caillounets. Je vais les mettre dans la catapulte. Il fait, je fais, t'es un dingue, achète-toi un pitbull. Attends, il y a. Comment il s'appelle, là, ce qui a raconté, ce qui habite dans l'immeuble, là. Il a le pitbull et le hamster, le Doberman, mon ami. Le Doberman noir, tu prends ça, frère. Tu prends les deux chiens. Tu sors ta bite. Tu fais sinon, je vous encule. Moi, c'est Hercule. Et tu prends un brûlé. Tu fais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, fais-moi péter. On regarde un film sur ton DVD ou quoi? Je peux me poser tranquille. Tu sors les chips. Et je peux grigner ta grognasse. Mais bon, après, tranquille. Vous faites la teuf. Tu prends le DVD sous l'épaule. Sinon, tu prends le gun. Ou le Doberman noir. Tu prends le chien là, le pitbull. Tu fais non, je vais faire la catapulte, non, 7e étage. Je vais faire comme ça, boule de neige, mon frère, s'il neige. Il fait, mais t'es un dingue, t'es optimiste, toi. Tu vois qu'il va neiger, mon frère. Il fait, home jacking. Ouais, mon frère, aujourd'hui, je la sens bien. Je vais en moineau, il a chié sur un passant. Le passant, il a fait, c'est bon signe. Je fais, comment ça, c'est bon signe? Ça porte la poisse, mon frère, c'est une journée à poisse, Ardèse. C'est un faux signe, mon frère, ou pas? Et je lui fais, mais vas-y, mon frère, si tu sens que c'est. Voilà, catapulte au caniche, c'est chelou, mon frère. Encore, si t'as un bon élastique, c'est du costaud. Hein. Tu ricochets, ils sont 4-5 comme ça. Bon, si eux, ils ont un fusil à pompe, une arme de service automatique qu'ils ont encore chez eux, mon frère, c'est chaud, hein, tu peux. Si on jacking, c'est costaud, mon frère. Il me fait, ouais. Mais j'ai remarqué, ça fait 2-3 jours, je me mets au réverbère en bas. Il n'y a pas trop de lumière entre ouais, 21h, 23h. Je crois qu'il va choper une autre grognasse à côté. Ça fout, il va choper un grognard à côté. Il fait, ah, bah tout est mieux dans le meilleur des mondes. Il fait, ouais, mais en 16h, il y a moins de personnes. Et finalement, le lendemain, j'ai recroisé le lascar. Et je fais, hé, hey, mon frère, c'est comment ça va, l'homme jacking? T'es homme jacker, toi. Hé, hey, frérot, t'es un dingue, toi. Fils Japon, Brelic, Pitbull, Doberman. Il fait, ah ouais, non, 7e étage, c'était pas la folie, mon ami. Je lui fais, comment ça, t'as pas pu repartir avec le DVD sous la poche, la télé dans la pochette. Il me fait, non, non. Ouais, il cherche ouais. Non, ils étaient en train de faire des saloperies sexuellement, et je suis arrivé avec mon catapulte. Ils ont fait, ouais, maintenant, ouais, ils ont cru que j'étais un. Ils avaient commandé un gigolo. Ils m'ont fait, ouais, vous devez tirer des cailloux dans notre cul. Et pendant 3 heures, j'ai tiré des cailloux dans leur cul, comme ça. C'était des fétichistes, un couple de fétichistes. Ouais, bon, elle était bonasse, mais son copain, il était chelou, il voulait que je lui tire des cailloux avec un catapulte dans le cul. Putain, pendant 3 heures. J'ai fait, ah, mais ça va, c'est pas comme si c'était dans le mauvais sens, t'as pas dû écarter le cul, ils ont pas pris ta catapulte. Ils font, non, j'avais une arme de service. Ils m'ont dit, on veut la mettre très profond. Bon, alors, je l'ai pris sous le lit. J'étais un peu motivé. J'allais leur la foutre. Ils font, bah attends, un autre tour. Bon, c'était un truc long, un fusil comme ça. J'ai fait, mais t'aurais dû prendre un fusil à pompe, un brelic, un Doberman. Il me fait, mais non, t'es dingue, frère. J'étais, mais non, là, je délirais l'autre jour, frère. Je suis pas entré avec un caniche. C'est contre Lascar là. Il m'a prêté le Doberman noir. J'ai pris le pitbull à côté, un fusil à pompe.
Bon, il y avait sa grouillasse, elle était les quatre pattes en l'air, on l'a pris les deux, comme ça, tchac, 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 tchac. Pendant ce temps, elle crachait des créatures par la bouche, c'est sorti par la fenêtre. Je crois qu'ils ont dévoré des voisins, mais à part ça, c'est allé à l'aise, on a unjacké, on a gangbangé. Et bon, ouais, c'est ça l'unjacking, on sait jamais sur quoi entendre, des fois un lecteur DVD, des fois une grognasse, qu'il faut faire tourner, c'est comme ça la vie. T'as eu de la chance, mon lascar, t'as pas ramassé alors des bastos. Il me fait, mais non, j'étais venu avec le Doberman. Ils m'ont donné des croquettes, ils ont une femelle pitbull, elle est bonasse. Même elle m'a léché les couilles, je crois qu'elle kiffe bien un peu les humains. Ouais, derrière moi, elle kiffe, elle est hargneuse. Elle les a presque grouillassées avec ses dents, là, pitbull. Ah, ouais, je me suis dit quand même, j'aurais dû prendre Griffy Felou, on aurait pu faire un fight. Bon, Home Jacking. À 2 balles sur la prod, à 2 balles sur la prod, tout cramé, yé bébé.